Voilà la famille, aujourd'hui nous allons réaliser le gommage au riz. Mais nous allons d'abord commencer par préparer ce gommage-là. Alors, pour la préparation, nous avons besoin de riz. Donc là, je prends ça, cette quantité-ci, qu'on va faire écraser dans notre mix avec un peu d'eau. Question de faciliter l'écrasage. Donc. Voilà les amis, ce qu'il faut savoir de ce gommage fait à base de riz et de jus de carotte, c'est que c'est un gommage clarifiant, c'est un gommage unifiant, c'est un gommage matifiant et c'est un gommage traitant. Donc, ça traite les taches qui sont visibles sur le visage. Donc, c'est un gommage très, très... Franchement, ses vertus sont ne sont plus à démontrer, vous voyez. Et de toute façon, c'est facile à réaliser là. Je me dis, tout le monde devrait l'essayer au moins une fois. Voilà. Pour savoir, en fait, pour tester ses vertus, vous voyez un peu. C'est ça. Et on aura aussi besoin du jus de carotte. Donc là, puisque je vais juste faire sur mon visage, je vais diminuer la quantité. Et je vais presser mon jus de carotte directement dans la quantité que je vais appliquer sur mon visage. Voilà. Ouh, c'est trop liquide. Voilà. C'est trop liquide. Qu'est-ce que je fais? Donc voilà ce que nous avons obtenu. Ça, je n'ai pas encore mélangé. On va mélanger avec notre pâte de riz. Et si bon, je vais utiliser ça pour mon visage. Ça, pour mon visage. Et ça, on va garder. Et on va faire le gommage en semaine. Gommage de corps. Bon, là, on va appliquer notre gommage. On n'a plus besoin de modifier le visage parce que notre gommage est assez liquide. J'aime trop d'eau, donc je n'aurai plus besoin de faire quoi que ce soit. Et rassurez-vous, ça ne va pas abîmer votre peau, au contraire, ça va sublimer votre peau, ça va réduire l'excès de sébum sur le visage. Et aussi, c'est un gommage matifiant, donc n'hésitez pas de faire votre gommage au riz. J'ai découvert ça récemment et... Oui, non, je teste. Donc, je mets un peu que je peux ici, jusque là. Ah, elle est trop liquide, là. Et je me suis dit que si on ajoute le gumin, ça peut faire encore une effet waré. Ça peut faire un effet encore bim, genre là. Un truc bien contre moi, je n'hésite pas à faire parce que je sais que ça ne peut pas m'abîmer la peau. Ce que je fais très délicatement. Vous voyez un peu quoi? Donc, c'est bon, on essaye et on essaye. Franchement, on ne perd rien à essayer. Donc là, je vais laisser reposer. Je vais laisser reposer pendant quelques minutes et après, on va laver. On va voir. Les résultats, je crois que c'est demain matin que je vais voir. Si vraiment je me lève, c'est bon sur le visage. Franchement, ça veut dire que ça marche. Donc les amis, là, on a fini d'appliquer notre... On va laisser reposer pendant quelques minutes. Donc, et après, on va prendre un bain. Et je vous reviens. Vous savez, quand un produit est naturel, franchement, moi, je n'hésite pas à l'utiliser parce que je sais que tout ce qui est naturel est bien. Donc, tous les produits que nous utilisons ou nous mangeons ont toujours des vertus sur notre peau. Parce que comme on dit souvent, la santé dépend de ce que tu manges. Donc, exactement, ce que l'on mange a donc des propriétés qui peuvent être utilisées à l'extérieur comme à l'intérieur de notre peau. Donc, aujourd'hui, j'ai donc réalisé ce gommage au riz. N'hésitez pas. Franchement, c'est un truc naturel. Ça ne peut pas vous brûler. Ça ne peut pas. Déjà que ceci, il n'y a même pas le citron. Il y a juste la carotte. Vous voyez un peu, il y a juste la carotte. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez essayer des trucs, n'hésitez pas à essayer. Surtout que ce sont des trucs bio, faits maison. C'est la réalité. Vous voyez, j'ai réalisé ça en un laps de temps. Et même quand je n'ai pas réussi à avoir la bonne texture de mon riz, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose puisque là ça adhère quand même, donc c'est pas comme si ça glissait, ça adhère quand même, donc la texture n'était pas si mal que ça. On laisse reposer et rendez-vous après pour le résultat. C'est comme ça dont il faut pour être belle. Après, tu vas avoir une belle vidéo, tu vas dire que
La physique coûte cher. En réalité, elle ne coûte pas cher, mon frère. C'est juste qu'elle sait quoi faire quand il faut. Quand elle voit que son teint devient teint, là, elle a déjà ce qu'il faut pour réussir l'éclat de son teint. Donc, tout à l'heure. Bon, les amis, j'ai lavé mon gommage. Regardez de vous-même. T'es étudiant, tu étudies et tu dis d'abord après tu vas chercher un travail. Mais tu peux pas faire les doigts à fond. Ok. Regardez. Les résultats sont magnifiques et demain il y aura encore plus de résultats. Donc demain on verra. Mon visage sera lisse, beau, doux le matin et sans c'est bon. Regardez. Franchement, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Quand elle pense qu'avant, pour me filmer, il fallait que j'utilise Snapchat pour avoir un peu de lumière sur mon teint, alors que je pouvais faire des gommages comme ça pour lighter mon teint. Non, les amis, essayez ça, n'hésitez pas, essayez ça, vous verrez, les résultats sont juste magnifiques. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous ferez ce gommage. Vous n'hésiterez pas d'essayer ce gommage et de me laisser sur des commentaires si vous avez déjà essayé ce gommage. Alors, je vous aime beaucoup. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos likes. Donc, rendez-vous dans ma prochaine vidéo conseil beauté ou encore vlog ou encore story time, je sais pas trop. Dans tous les cas, rendez-vous dans la prochaine. Bisous.